Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 28 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda, Sealed Palace, et on est donc de retour pour cette aventure. La dernière fois, nous avions enfin fini ce satané temple de l'eau, qui nous aura pris pas mal de temps, et dorénavant, il nous reste donc 3 donjons à faire. Le prochain sur la liste, c'est le temple du feu, maintenant qu'on a les pouvoirs de la déesse, qu'on a à peu près tout ce qu'il nous manque, on va dire... Pour y aller, cette fois rien ne nous retient pour retourner là-bas. Et donc on est tout de suite parti pour le temple du feu, tout simplement. Pourquoi est-ce que je n'ai pas accès à l'ocarina? Ok, donc il me faut reprendre la bonne mélodie. La carte plus vite. Thank you.
passer. Oh le fail! Oh bon sang! J'ai glissé! Bah dis donc, les catastrophes s'enchaînent, bon sang. On a l'habitude avec moi. Allez, la carte, s'il vous plaît. Alors, il y a un deuxième étage et un premier étage. Et le boss est au premier étage. Bon, il a pas l'air si grand que ça, le bougeon. Hey!
Pourquoi j'arrive pas à le zéro? Ça c'est joué à rien. Ah, je sentais la bêtise, hein. Je sentais de très très loin la bêtise. Alors attends. C'est pas évident, hein. Alors allez. On se concentre. Peut-être que je me fais pas avoir. On se fait pas. Là-bas, y a rien. Y a juste deux feux visqueux. Est-ce que ça me sert à quelque chose de les tuer, en fait? Ah, c'est pas simple, hein. Il manque un tout petit écart de distance. Par contre, je vais sauvegarder avant qu'il y ait un drame. C'est ce que ça veut dire. Quelle catastrophe! Ah, c'est très dur, hein. Très très dur. Que ce soit délicat. J'ai un tout petit peu de mal à sauter en fait. Voilà. Absolument rien. Ça va pas te faire ça. C'est ça que je voulais faire, hein. C'est pénible. Bon, maintenant que j'ai la sculpture là, faut que je comprenne un peu comment ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on peut tricher en utilisant le pouvoir ou pas? Putain, il me suit partout lui.
Mais c'est... Mais je fais pas exprès, je vous promets, je fais pas exprès. Pourquoi il donne des flèches à rallonge? J'essaie de comprendre. Ah, ça y est, presque. Oui, j'aime bien faire ça. Hein. C'est pour ça que j'ai sauvegardé avant. Attends, mais... Oh! Ah bah voilà! Il suffit juste d'insister un petit peu. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ce... What? Mais c'est quoi la forme de ces pièces-là? Je comprends rien. Alors attends... Donc là, on a ça, on a ça. Non, il faut y
il faut du feu hein, pour seul le feu d'Odin peut atteindre ça. Ah non. Ah bah tu veux que je fasse comment? Ou juste? Et avec cette grille en plein milieu. On va essayer de comprendre cette histoire là. Ah non, j'ai compris. Enfin, à quelle distance de... oui, je suis censé comprendre quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Solution. Juste vérifier un truc. Je sais pas si c'est ça, mais je vais tenter. Bah non, parce que. L'interrupteur qui est juste derrière. Je peux parler, merci. J'arrive pas à bouger. Peux bouger, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, je vois rien. Là, ouais. Surtout qu'en plus de ça, on peut, c'est inatteignable. Thank you.
Je comprends absolument pas ce qu'il faut faire. M'expliquer. Attends. Est-ce que j'ai un truc une bombe, ça changera rien. Ça. Ça n'activera jamais. Bon, je ne sais pas. Écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo pour que je comprenne un peu cette histoire. Et donc la prochaine fois, je pense qu'on devrait finir tout ça. Mais c'est bizarre hein, ce genre d'énigme parfois. Hein. Alors, en tout cas, c'est pas grave, on finira bien par trouver la réponse. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode-ci. Et donc on est bientôt de retour pour la suite de The Legend of Zelda Silda Palace. A très bientôt donc. Ciao.